au nom de Jésus-Christ. Que la grande main de Dieu soit sur vous. Vous vous portez bien. Vous patron se porte bien. Vos parents se portent bien. Mao atom semi. Et Dieu vous fortifie. Mao anokodomi. Dieu soit avec vous. Mao ablapanomi. Et Dieu vous renforce. Aujourd'hui, il nous plaque un jour d'enseignement. Non, nous nous vivons pour les jeunes filles. Alléluia. Amen. Masse, amen. Autant je vais entendre bien ton amen. On nous nomme Ebéa. Je disais tantôt qu'aujourd'hui, Nigné, elle nous plaque là, nous nous vivons. Et l'enseignement des jeunes filles. Les nous nous vivons à Béto. Comment une jeune fille va mener sa vie? L'ignorou vit à platoto. Comment une jeune fille va faire son apprentissage? L'ignorou vit à nyanikawawaledo. Comment une jeune fille va savoir faire quelque chose? Et benito le betinien que oui André Tolo. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui qui est le 17e jour. Non, vous le dites à ma tonton le 2022. Du 5e mois de 2022. Miotuo, il fallait ni dire, maoule donc 5000 euros. Vous qui êtes venu ce matin, que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Les gens qui ont miotuo, les gens qui parlent du Godou, maoule donc 5000 euros. Comme ça également, vous qui nous regardez d'ailleurs, que Dieu vous fortifie. Je vais garder ta nom Jésus. Je voudrais que tu acclames très fort pour Jésus. On peut le faire, garder ta Jésus. Je veux pas t'acclamer pour Jésus Christ. Mais jamais le mot Amen. Et quand vous le comprenez déjà, personne, il y a personne ici qui va dire qu'il ne me connaît pas. Vous écoutez la voix de l'homme de Dieu, évangéliste, Jean-Baptiste Salifou. Jean-Baptiste Salifou. Amen. 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 Si vous vous êtes assemblé ici ce matin, on est là. Il y a certaines choses que nous traversons dans cette ville. Alors les choses qu'on va mener. Nous sommes dans le monde entier. Et là, comme il va tout, il va tout. Et c'est pour cela nous là, nous avons réfléchi que nous allons décider de certaines choses. On le fait déjà dans d'autres villes. Mais le a sonné que cela arrive également dans notre ville. Et ce n'est pas seulement vos réunions qu'on établisse. On a déjà établi le groupe des hommes, la réunion des hommes. Et on a commencé par parler à vos papas. Comment ils vont vous guider? Et il y a passé, nous avons établi la réunion de vos mamans. Comment vos mamans vont prendre soin de vous ou soit de leur, de vos parents? Et aujourd'hui, nous établissons également vos réunions. Et par ces enseignements, nous allons se lever dans vos différents villages. Dieu va vous élever par ces enseignements. Amen. Si tu crois, dis Amen. Avant que nous n'allions sur l'enseignement, tu vas lever tes mains, nous allons prier. Lève tes mains, nous allons prier. Je veux voir l'éternel. Nous irons. Fais de moi ce que tu veux. Mais toi, mon cri, je me confie à toi. Je veux voir. Nous irons. Fais de moi ce que tu es. Fais de moi ce que
tu aimes. Maître, pour de grandes œuvres que tu parles. Aujourd'hui est l'enseignement des jeunes filles. Et je te confie le commencement jusqu'à la fin. Par ces enseignements, nous allons élever les filles dans notre vie. Enseignement, lève la vie dans ses environs. Mais les bons petits enseignants, toute personne qui va écouter ces enseignements et la mettre en pratique, lève la vie des populaires. À partir d'aujourd'hui, tout esprit est bruit. Ils détruisent la vie des jeunes filles. On chasse cet esprit de vous. Je cherche cet esprit au milieu 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 de vous. Mahouka, grand Dieu, Pharaon Miasa, viens nous utiliser. Comment elles seront pour être agréables à toi? Sans aucun sans ainsi. J'ai prié le Jésus Christ au nom de Jésus Christ. Oh, tu peux acclamer pour l'éternel, acclame pour l'éternel. Non, tu te dis, amen. 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 Alléluia. C'est ça qui t'a amené ici. Et il y a deux personnes au milieu de nous. Ce qui veut dire, il y a ces deux au milieu de nous qui sont des apprentis. Et c'est des sons au milieu de nous qui n'apprennent rien d'abord. Mais vous tous, vous êtes des jeunes filles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous allons commencer, nous allons commencer de. Mais c'est quoi une jeune fille? Qu'est-ce qu'une jeune fille peut faire? Qu'est-ce qui peut plaire à Dieu concernant ta vie? Quelles sont les choses que tu peux faire et qui vont plaire à Dieu? Si on dit apprenti, mais comment un apprenti va rester chez ça, son patron? Comment on apprend son métier? Et pour que demain ton atelier puisse marcher, nous allons passer dans ces choses-là. Et je voudrais que tu t'unis avec nous dans l'écoute de cette parole. Et par cette parole, Dieu va arranger ta vie. Mais c'est quoi une jeune fille? Aujourd'hui, vous ne savez plus ce qu'on appelle jeune fille. Et
fait aujourd'hui, si vous marchez, vous passez, les gens crachent sur vous. Oh, celle-là, c'est une jeune fille. Celle-là peut être une jeune fille. Et c'est pourquoi, en toi, toi-même en plus, tu ne sais pas que tu es une jeune fille. C'est pour cela que les gens également ne savent pas que tu es une jeune fille. J'ai une jeune fille. Si nos parents engendrent et l'enfant est une fille, et certains sont contents. Et auparavant, des gens engendraient des jeunes filles et ils seront contents que ils ont accouché une fille. Pourquoi? On a appelé quelqu'un mari qui a été une fille. Sa fille a été bonne. Oh, ses frères ont été bonnes. Et tu as fait passer par elle un enfant béni. Alléluia. Maouso et Via Yasoto Marie a dit. Dieu a fait passer par Marie un enfant béni. Et tu t'as les gens se sont réjouis. Et les gens commençaient par dire, nous aussi on va accoucher d'une, on va engendrer une fille. Pour que Dieu passe par elle pour envoyer une personne bénie. Et les gens commençaient par demander des filles. Mais quand ils ont commencé par avoir ces filles, aujourd'hui, les gens commençaient par combattre avec leur fille. Toi, femme, si tu m'accouches encore une fille, je vais te renvoyer. J'ai menti. J'ai menti. Mais pourquoi cela? T'es fait. Le mari a notre faillite. Comment Marie s'était comporté? Et elle plaisait aux gens. Toi, tu ne mènes plus cette vie. Aujourd'hui, la première fille. Je vis aujourd'hui. Si je me marie, ce n'est pas fini. Si je me marie, c'est fini. Si on dit, on va calculer ceux qui ont une fois appris. Si on trouve 10 000 personnes pour des apprenants, nous allons trouver plus de 8 000 qui n'ont pas fini leur apprentissage. Et les 2 000 qui ont pu appris correctement, si on dit bon, on va voir si ils le font bien, peut-être on va voir 500 dedans qui font bien le travail. Aujourd'hui, les filles ne savent plus que si elles n'ont pas quelque chose, que les gens se moquent d'eux, les gens le méprisent. La vie que vous menez et vous ne plaisez plus à quelqu'un, vous ne plaisez plus à vos parents, vous ne plaisez plus à vos mamans. Maman réfléchit. Elle dit, mais quel enfant que j'ai eu comme ça? C'est quel enfant que Dieu m'a donné comme ça? Et c'est votre désobéissant. Vos bêtises que vous faites. Vos vies de tes poches que vous mêlez. C'est pour cela que vous découragez les gens. Les apprentis sont sous les patrons de ça va finir bientôt. Oh, tu sais travailler. Tu ne sais pas travailler. Ta patronne cherche que ton œuvre soit ne plus. Tu disparais de son âme. Et tu es content. Et tu crois que c'est beau comme ça. Regardez vos grands frères qui ont fait ces choses. Aujourd'hui, ne trouve pas qui va acheter de cette couleur. Aujourd'hui, elle ne trouve pas qui va acheter de coupe. Toutes vos grandes soeurs, elles sont en train de pleurer. Elles disent, si on savait, on savait c'est resté où c'est resté derrière. Est-ce que tu m'écoutes? Moi, je peux le quand même. Appelons pour Jésus-Christ. Tu es, mais ça va être Hey.
non, non, mais attends, ma vie va changer. Mais c'est Seigneur, commençons les bâtir. Tu as parti aujourd'hui. Ah, dit non, non, mais attends, ma vie va changer. Ah, dit non, non, mais attends, ma vie va changer. Tu vas super héros. Acclame pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mieux t'attends la joie. Nos grandes choses sont en train de pleurer. Nous, on va d'abord y entrer sauvé. Parce qu'elles ont su qu'elles sont tombées dans le feu. Non, tu es ignoré. Soit dans genre, tu es une femme. Et nous, la première des choses que tu ferais, allez pour nous, les qui. Tu vas prendre soin de toi. On appelle ça prendre soin de soi. Aujourd'hui, vous ne prenez plus soin de vous-même. Vous ne prenez plus soin de vos vies. Une jeune vie, elle est quelque chose de très cher aux yeux de Dieu. Elle est quelque chose de très grand aux yeux de Dieu. Vous ne prenez plus soin de vous-même. Vous vous êtes laissé tout seul. Et vous faites des bêtises. Toi, tu ne t'es pas encore marié. On connaît déjà tes peines. Toi, tu ne t'es pas encore marié. On connaît déjà tes tu ne t'es pas encore marié. Et les gens voient déjà ta nudité. Est-ce que c'est bon? Dis-moi non. Toi, tu ne t'es pas encore marié. Et si toi, tu veux mettre ta panne, il faut que tu ouvres sa grande. Je dis ça, les gens vont dire mais qui t'a ouvert ça? Mais qui a ouvert ta paille là? Vous ne prenez plus soin de vous-même. Et Dieu a levé sa main. Et aujourd'hui, vous êtes rempli de maladies. Aujourd'hui, il y a des douleurs. Et si nous rentrons dans nos villages, aucune femme n'a de moto. Même construit, vos mamans sont en panko. Mais Dieu va changer cela ce matin. Dieu va changer ta vie ce matin. Une jeune fille doit prendre soin de soi. Si la jeune fille ne prend pas soin de soi, c'est qu'elle a jeté sa destinée. Comment tu vas prendre soin de ta vie? Commence à prendre soin de ta vie. Toi, tu n'as encore rien fait. Tu n'as pas d'abord de travail encore. Tu n'as pas encore d'argent en main. Et on dit Cheko. Oui. Je vais te marier. Et tu dis oui. Et tu m'as beaucoup plu. Combien d'argent c'est Thomas? Combien il a ton jeune homme? Arrêtez de prendre ses chemins. Vous avez laissé tout et plus vous souffler. Ce n'est pas que j'ai dit de ne pas se marier. Tu vas te marier. Mais avant que tu ne te maries, aie d'abord l'âge. Aie d'abord un atelier. Aie d'abord une boutique. Et tu seras belle. Une jeune fille a célébré son mariage, ça n'a pas fait encore un mois. Elle est une chante en France. Et comme elle chantait, soit là elle est fait. Une jeune fille, si elle veut se lever pour aller chanter, ce n'est pas comme nos artistes chantent ici. Cette jeune fille, elle chante les adorations. Cela est le fait. Si elle veut aller dans son concert, ce sont des militaires, des policiers qui l'accompagnent. Elle reste dans des voitures de luxe. Mais toi, mais ma vie, on est un top. Et cette personne ne peut pas dire qu'elle n'a pas son avion. Elle a des étages. Elle a une trentaine d'années comme ça. Et elle se marie maintenant
disons quelque chose de moi. Je l'ai montré à certains parmi vous. On l'appelle Simiam. Siliam. Simiam. Simiam. Amen. Amen. Quand elle va se marier maintenant, elle est sur le Congo. Elle s'est mariée à Congo. Ou bien, oui. Elle dit, Mahoumeleka, le nom mon prophète Joël Tachou. Et elle s'est mariée à un homme de Dieu. Et lui également. Lui, il a maintenant une quarantaine d'années, il ne s'est pas marié. Et donc, quand de prière. Et il a, quand il a un ministère. Et donc, terré. Et. Chaîne. Il a eu une chaîne. Et nous, souci. Il a. Pouf. Il est au Rougagan en maison. Lui, il va déjà dans les grosses. Et il a déjà vu. Et il est un jeune homme. Mais déjà tout le monde, s'il veut sortir de sa voiture, du nom de Dieu arrive. C'est des gardes qui le suivent. Et ces gens-là se marient. Ils auront besoin de quoi? Et toi, et tu dis, j'irai revenir. Tu iras où? Paye de 1000 francs, ça va te faire quoi dans ton mariage? Voilà une jeune fille qui a déjà des immeubles. Et si je ne veux même pas trop dire, je peux dire encore que la plus encore d'argent de la fille que j'ai rencontrée. Elle est une grande artiste en France. Avant de se marier. Moi, je ne dis pas d'atteindre son niveau. Toi, tu n'as même plus un million avant de prendre départ. Mais si tu n'as rien, et c'est lui que tu t'en vas marier. Et lui, au moins, il a des motos. Et il a des maisons. Et quand tu es arrivé, il te donne d'argent, il t'ouvre une boutique. Tu sais que ça, c'est encore mieux. C'est lui que toi, tu t'en vas marier. C'est sa maman qui lui fait la paix. J'ai dit, ta belle mère va t'acheter de paille pour elle. Allez au Nigeria voir la souffrance qu'endurent vos grandes sœurs. Pour eux, arrive, je vais leur expliquer ça. C'est ne pas acheter une moto seulement, revenir en train de rouler, faire le gros dos partout, vous prendre après. Arrêtez vos apprentissages et allez voir. Est-ce qu'aujourd'hui sort quand ces motos? Le vraiment ton vaille, mais on va y ouvrir. Oh, 5 ans passés. Et pour elle est tout même en haut. Tu vois, elle est tout même. Non. Yo, après Baja, Chikotoku et Kama Topanche. Il faut acheter les Baja de 200 000. A comme il coume dit les grands gens, moi, il Et ils vont lever, ils sont derrière, dit bon, il faut y avoir. Et toi, c'est bon. La chemise et le pantalon qu'il a amené là, il a encore changé, tu as vu. Et c'est là toi tu commences à dire, ceux de Nigeria sont revenus, ceux de Parakou sont revenus. Attends, oh, il a combien tu sais? Je t'en sais quelque chose. Pour que tu ne pleures plus demain. Regarde ce qu'en tue ta maman. Et change ta mentalité. Si tu refuses. Ne viens pas chez Jean-Baptiste pour dire prie pour moi. Dieu fera juste ce jour, même si je ne te reconnais plus là. Le Saint-Esprit m'a dit, laisse-la ta place. Une jeune fille s'est mariée l'autre fois. Quand elle a dit qu'elle ira, ils ont refusé, ils sont venus la déposer chez moi. Moi, je lui ai bien parlé, je l'ai enseigné. Et elle a dit, elle a compris. Quand elle est arrivée à la maison, ça n'a pas fait une semaine, ils ont dit, ah, elle est partie où? Et sa maman a commencé par se mettre en colère qu'elle va aller la prendre. J'ai dit, non, non, calme-toi, calme-toi. Les cochons a dit à son enfant que ce qui s'est passé, plus sa gueule
elle est longue comme ça là, bientôt elle le saura. L'autre fois j'étais dans la chambre, sa maman est sortie avec un homme. Mais vous avez quoi? Mais la vie là, et elle a fait comme ça, et ça a fait comme ça, ça a donné comme ça. J'ai dit, mais quelle vie? J'ai dit, appelez-la. Et ils l'ont appelé. Elle est là. J'ai dit, oh, tu te portes bien? Et ça fait là. Tu es parti l'autre jour là. Et comme il y a. Ça va bien. Et bien, à tout le monde, arrête à genoux. Tu as dit, tu vas me saluer, tu veux m'acheter à boire. Et dit, oh, je devais t'écouter ce jour-là. Si j'entends ça encore, je vais te gifler par là. C'est à moi qui lui ai dit d'aller. Va. Refuse d'écouter quelqu'un. Et il faut se sauter comme tu veux. Et c'est même pas que tu es tellement belle. Oh, tu es belle, tu es. Alléluia. Amen. Tenez le prêt à pardon. Ce n'est pas vous tous qui allez apprendre. Ah oui. Non. Mais le rabat. Certains vont apprendre des métiers. Mais le rabat nous savons. Certains vont ouvrir des boutiques. Et moi, logique, pour faire la vagasse. Mais tu auras quelque chose néanmoins avant de te marier. Si quelqu'un logique, quelqu'un la jalousie, vous pouvez me faire des noms. Quand toi tu as un peu ton homme également un peu avant que vous vous mariez, vous allez encore demander à quelqu'un. Maman, papa et gloire. Tu vas encore dire papa c'est Dieu. Abé maman, tata et gloire. Tu vas encore dire maman c'est Dieu. Il veut dire que ils ont ce qui veut changer. Ah ouais. Tu vas le faire. Et non. Ça marchera pour toi. Mais maman, y'a non, la voici pour moi. Si tu sais que ça va marcher pour toi, acclame pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Apprentis, tu veux les doctorats. Les apprentis qui sont en train d'apprendre. Mais ils ne veulent pas donner du nom, mais plein. Tous ceux qui ont appris dans cette vie. On dit que si des mecs, ben, ils ont dit que je ne peux pas donner, ils ont dit alors que moyen tout le monde. Zéro. Je ne connais aucune aujourd'hui. Ils ont dit bon, elle a appris ici à Heletoumé et puis elle est sur une moto, puis elle est sortie d'une véhicule. Ah non, non, mieux. Le roi a comme il dit. Je dis, Dieu va vous élever, vous. Mais avant que Dieu ne te lève, écoute d'abord la parole. Avant que l'apprenti reçoive la bénédiction de sa patronne, que les apprentis soulèvent les mains, je vais voir. Alors, allez, j'en ai plein de poutines. Que la main soit droite comme Pamplemousse. Voici que le héros. Acclame pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant que l'apprenti reçoive la bénédiction de sa patronne, si tu arrives dans l'atelier, c'est qu'on commence à t'apprendre premièrement c'est des soulets. Si toi tu finis, tu vas commencer le travail. Au moment où on a on dit qu'on va arriver au travail à 8h. Déjà à 7h30, tu es déjà là. À quelle heure? À 7h30, tu dois être là. Même à 7h, tu dois être au travail. Quand tu arrives, tu parles, tu essuies des choses, tu laves des choses, tu salues la parole. Yo, patron. Patron. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Si elle te dit de faire quelque chose, tu fais. Si elle dit de faire quelque chose, tu fais. Automatiquement, en même temps, tu verras ta patronne oublier toutes les autres. Et commencer par se rappeler de toi. Mais pourquoi? Si elle dit de préparer quelque chose, tu prépares ça pour elle. Si elle dit de faire sa lessive, tu fais sa lessive. Si elle dit de nettoyer sa chambre, toi tu nettoies sa chambre. Mais celle à qui on confie des travaux, elle fait, et l'autre qui ne fait pas, on va aimer qui plus, man. Non, mais à quoi? Sodo, à quoi? Cours là-bas pour m'acheter de fil. Toi-même, ta patronne sait qu'il faut 10 minutes pour aller revenir. Toi, tu reviens dans 5 minutes. Oh, mais. Non, tante, j'ai couru.
Tu couvres rapidement, tu ramènes ça. Tu dis, oh, pardon, voilà ça. Et paya. Aujourd'hui. Oh. Amen. Amen. Oh, et pas ton cas. Bon, ça reste un peu. Si je vais à 7h maintenant, c'est moi qui vais balayer, c'est moi qui vais nettoyer la chance. Hey! On est comme un couloir. Toi, tu regardes l'heure. Comment tu comme pour venir en retard. Pour ne rien faire. Pourquoi les gens finissent de tout faire? Avant que tu n'arrives. Donc les patrons sont arrivés. Va demander à ta grande soeur qui a fait ça avant toi là. Où elle est aujourd'hui? Nous toi et nous non oui non nous non zéro. C'est ces petites choses qui font que même si ta patronne te bénit jusqu'à elle ouvre ton crâne et met dedans, c'est zéro. Nous tiens oui non. Ce que tu vas faire est faire réjouir ta patronne. Ce que tu vas faire, ta patronne sera contente. Elle va t'appeler avant tout le monde. Et où y a toi, tu dis pas toi. C'est ça, tu vas commencer par chercher. Taïdo Karoudine, à yon mène son con. Tu arrives, tu sais la mine. C'est moi seul, la patronne voit pour commander. La patronne ne sait pas que moi j'ai fait. Tu penses que ceux qui mangent à tout moment, ils sont intelligents. Comme toi, tu verrais, ils ont déjà tous mangé. Vous avez tous, déjà tous mangé. Maman, fais vite, je vais manger ceci avant d'aller au travail. Va demander à ma femme. Quand je voulais venir ici, elle a dit, bon, je vais te donner à manger. Je ne mange jamais le matin. Et je ne sais pas à quel je vais manger. Il y a le travail devant toi. Qui sont les bébés. Et tu t'amuses. On qui sont les moments. Toi, tu t'amuses. On dit ce que vous voulez que l'on vous fasse. Faites-le d'abord. Toi, tu n'as pas parlé la chance de ton papa. Tu n'as pas pris soin de ta patronne. Et tu es allé ouvrir ton atelier que ça va marcher. Comment ça va marcher pour toi? Combien de fois tu es allé à l'heure? Combien de fois tu as parlé? Normalement. Dans vos travaux. Même si c'est toi seul, parlez. Quelque chose tombe en même temps, tu enlèves ça. La femme de ma patronne, tu as été chier à tout moment. Toi, tu ne voudrais pas accoucher et il va chier. Non, nous tiens. Ce que tu me prie, tu détestes aujourd'hui, donc Dieu ne va pas te donner ça. C'est ta patronne qui a fini son apprentissage. Et bien suite. Et elle s'est mariée, elle a engendré. Toi, tu as apprenti qui est auprès d'elle. Mais qui lui fera ces choses? Et toi, tu es là, tu dis, voilà, Il serait en train de faire des dessins seulement. Arrange tout. Que ta patronne te plaise. Mais des devenus, personne n'est méchant. Et nous tu vas l'aider, il n'a pas de non à mon wagna, non à tout ton messie, non à mon wagna. C'est ce que tu fais qui fera que si les gens vont t'aimer, on saura. S'ils vont te détester, on saura également. Mais les deux wagons nous n'y ont fini péli. Personne ne fait jamais du bien et plus on la fera. Tu t'en vas, mais nous n'y ont pas de mal. Comme l'atelier tu ne te plaît pas là. Apprenti, tu y avais un honte, là, quoi, plein de nez que wagnon nous n'a pas de mal. Tous les apprentis que toi-même tu vas prendre, c'est comme ça, ils vont te détester. Regarde. Prenez soin de vos ateliers. Et nettoyez les pattes sur les toits. Préparez à l'heure. Qu'est-ce que nous allons faire? Tu vois comment elle bouge. Ta patronne arrive à dire, j'ai un apprenti là, vraiment.
Si son papa va accepter là, on la laisse chez moi, elle va faire 10 ans. Donc le bien, ton bienfait là qui fera que les gens vont te discuter, qui vont te garder. Au moment où eux te discutent, je suis dit, je vais te garder, je vais te garder. C'est la bénédiction, c'est ça la bénédiction qui va couler sur ta vie. Vous pensez que les jours qu'on te donne diplôme, le moment où tu le jour dit bon, aujourd'hui on va nous arroser, on va nous bénir. Et tu vois, tu n'as plus les hommes en loi. Tous ceux qui ont été bénis là, combien tu vois dans les véhicules? Jamais! Mais il y a des qui n'ont béni. C'est pas le jour que ta patronne te bénit qui te donne une bénédiction. Ce que tu faisais dès le début, et ça la réjouissait. Et il y a ça la bénédiction qui se devait sur toi. Quand tu vas quitter, elle t'a béni ou pas, ton atelier va marcher. Elle est lancée. Est-ce que tu m'écoutes? Voilà et encore. Et bien, aujourd'hui, on ira au champ. You are apprenti, mais où est-ce que tu es? Et Dieu apprenti, il ira pour sacrer ses carrés jusqu'à la nuit. Les enfants, ça, c'est fini. Non, ça, là, c'est un peu demain, on ira finir ça. Mais toi seul, tu faisais un carré à la maison avant de venir. Mais tu fais quoi comme ça? Fais en sorte qu'on commence pas à insulter ta patronne qu'elle envoie tous ses apprentis au champ. Oh, mais on a appelé Kamaton DP. On vous a 10 pour aller sur 5 carrés. Si tu es intelligent, vous allez vous comprendre. Oh, mes frères, et sort demain. Et Kawaka 3 jusqu'à 7h. Nous serons déjà dans le champ. Et Kawaka wo jusqu'à 10h. On est déjà dans l'atelier. Vos parents n'ont pas compris. Nous avons tombé sur les deux demain où il y a les bottes. Et ils vont dire, j'ai mis l'enfant pour apprendre. Et maintenant ils font au champ jusqu'à. Combien ils ont donné pour que j'apprenne? Tu penses que l'argent qu'ils ont donné pour que tu apprennes là, ça vous garde dans l'atelier durant 3 mois? Vous devez faire quelque chose pour augmenter. Mais vous qui atteignez déjà 10, vous devez même faire des états. Et on ne saura même pas que vous allez au champ. On ne saura jamais que vous allez au champ. Et cache ici. À nous tomber les balles, cachier. Rentrer dans la télé, au travail et puis le détester. Si c'est quand? En train de paresser. Le waouh, la paresse. Nous t'en tiens, allez, ton bon ami, on les va y watcher. Si on dit la patronne ne fait que donner des sons, ne fait que donner de travail. Toi, tu ne voudrais pas commander quelqu'un. C'est à cause de vous que les ateliers sont bloqués. Vous ne vous préparez pas. Vous ne faites rien. Quatre personnes au moins chez une patronne et puis l'atelier sera sale. Si vous faites toutes ces choses, est-ce que ça va marcher? Votre patronne est en colère. Avant d'être en train de te bénir, avant d'être en train de te donner ton diplôme. Donc, et toi, tu voudrais évoluer. Et tu voudrais que l'atelier marche. Au lieu que vous écarquiez les yeux sur ce que vous devez faire, et toi tu es là, regardez-le. Bon, j'ai dit à l'autre, le jeune homme là devait me rencontrer ici. Il t'en dit pas par panga. Et la patronne me laisse maintenant à 19h. Attends, je vous vois, hein. Mais vous êtes bien, 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 vous ê
Et c'est le jeune homme, le pauvre jeune homme que toi tu veux aller rencontrer. Celui qui n'a même pas de moto, peut-être l'a passé avant de venir. C'est pour ça que toi tu te mets de vite faire pour te libérer. À partir, il va y retourner lui. Et il va aller au Molibou. Job qu'il est allé faire 5 ans. C'est ça qu'il est venu te donner encore pour manger. Timio, nene, alors Timio, noué, hava, il est du lomène. Mais il retourne dans le relais tout même. Comme vous le faites comme ça, quand, comme vos mamans l'avaient fait ainsi là. Qui est riche maintenant? Qui est riche? Ils sont tous pauvres. Ils sont tous pauvres. Ils sont tous pauvres. Ce n'est pas construire une case et être dedans qui est qu'on est riche. Que tout le monde est pauvre, mais ma prière pour vous est que vous soyez riche. Mais toi, commencez par faire du pire. Et tu l'as dans le fruit de votre jardin. Que vos patrons commencent à se réjouir. Que vos frères plaisent à tout le monde. Mais le bon gamin. Prenez soin de vous. Tu as le chat. Arrangez toutes choses. C'est ça que, qui arrive à certains jusqu'à quand on a, comme on a dit 9h, certains sont là à 10h. Pourquoi? Comme tu ne respectais pas l'heure, est-ce que tu vas respecter? C'est aujourd'hui que tu vas respecter l'heure. Même si c'est dans l'atelier, tu dors. Tu dois arriver là à l'heure. Commencez pas à faire du pire. Commencez pas à réfléchir avec vos patrons, vos patrons. Est-ce que le travail là, ça marche bien? Mais si ça ne donne pas bien là, on ne va pas chercher quelque chose à côté pour augmenter. Toi, tu seras chez ta patronne jusqu'à faire 3, 4, 5 ans avant de sortir. Ta patronne n'est pas encore sur moto. Et toi, tu veux quoi? Comme toi, tu sais que demain tu vas acheter des motos là. Avant que je ne quitte ton atelier, tu dois acheter une moto. Tu dois construire une maison. Même si c'est voiture, tu dois acheter. Et on saura que quand moi je suis là, l'atelier là a marché. Et vous allez commencer par faire. Oh les enfants, mes amis, avant la fin de cette année, notre patron doit acheter une moto. Et venons, prions pour elle. Tante, comment on fait ce travail? Donc, votre idée, va rester là. Tout et pas fou. Votre patron va dire, je ne sais pas que je vais avoir 40 000 cette année. Mais l'idée de, que mes enfants m'apportent là, jusqu'à ce que j'ai gagné 1 million maintenant. Ah, quand tout le monde a gagné 1 million. Oh, tant qu'on veut faire cette tontine-là, millions. On va jobber jusqu'à ce que tu vas ramasser cette tontine. Nous tordons les mimes. Vous n'avez pas ces choses. Non, mais il doit même blâmer, mais il va clore les mimes. Si vous allez vite au travail, vous allez parler. On les parle blanc, non, mais il doit dire. Quand vous laissez vite pour aller rencontrer des jeunes, tu vas y rouler, John Grépon, oui, toi, on dit, il t'a oui, au dos. Ils sont allés acheter des jeans de 500 et vous croyez que c'est quelque chose de fort. Ce n'est pas que je les insulte. Et tous vos maris même là, ils sont essentiels. On va se voir avec eux, je vais leur faire ça. Comme moi j'ai galé voiture. Et dit on me gagne, ça fait comment? Ce n'est pas fini. S'il y a un qui dit encore je veux de toi, demande-lui tu as fait quoi d'abord. Un pasteur a dit dans son église, avant qu'une fille de son église va se marier, ou bien un homme va se marier, le jeune homme qu'elle voudrait marier, on appelle ce jeune. Il va lui demander. Jeune homme, c'est toi qui veux marier ma fille. Et il va dire oui. Ce que tu as une moto,
ancien ou bien nouveau, tu as une maison, il lui ravoit la maison. Et voici, c'est joli. Et quel travail tu fais? Combien d'argent tu manges avant que ma fille ne vienne chez toi? Dépose d'abord 2 millions près de moi. Si mon, ma fille arrive, tu lui offres une boutique. Non, t'en si tu n'as pas ces choses, il faut aller. On est vraiment forcé à dire. Mais si la fille dit c'est forcé obligatoire, elle n'a qu'à aller. Les taux de chachimé. Qu'elle sort de son église. Les taux de chachimé. Qu'elle sort de l'église. Mais on dit que non, mieux. Vous n'aimez pas quand, quand vous refusez quelque chose. Mais on dit que non, pas non, mieux. Vous n'aimez pas. Plus qu'on vous enseigne. Si quelqu'un dit encore je veux de toi, demande-lui qu'as-tu. S'il n'a rien, refuse-le. Il est beau, il est beau que Dieu. Il est beau que ton papa. C'est lui qui est beau là, c'est celui qui a des choses. Mais tu n'as rien, tu dis qu'il est beau. Il n'a rien, tu dis qu'il est beau. Tu sais que c'est un type qui est beau. Si on achète chez lui, c'est mieux. Et il faut le manger. Jean de 1000 francs. Enfin, ton mère, c'est une de 300 francs. Tu dis que quoi? Tu as ramassé l'or. Quel or? Prenez soin de votre travail. Apprenez bien le travail. Et vous serez riche. Les filles qui n'apprennent rien, ce n'est pas forcément vous tous qui allez apprendre. Mais cherchez quelque chose de compensé. Prenez soin de vos vies. Prenez soin de vos filles. Vous que ayez l'argent. Soyez riches. Que vos boutiques soient beaux, jolies. Si tu es une fille, tu es dans ta boutique. Tu as carré ta nouvelle moto qui est au dehors. Et ta boutique est remplie du rouge jusqu'en bas. Et le carton tu sors d'arriver. Et tu as mis des cartons dehors. Avant de te laver. Ou pas fait. Tu t'es parfumé. Comme les autres, miam, miam, miam. Et puis je prie partout. Waouh. Avant qu'il ne dise je veux de toi. Et m'attend les adrèmes. Je dis, il va tomber cette fois. Même s'il va venir, il pourra même pas venir. C'est quelqu'un qui va envoyer. Pourquoi? Tu es chaud, tu es chaud. Je ne veux pas mon rôle aussi. Parce que tu es riche. Et nous aussi. Tu as des choses. Ouais, mais adieu, hein. Avant qu'il ne dise je veux de toi. Mais toi, même. Mais celui qui viendra te chercher. Normalement, il avait encore un cri. Tu diras qu'il sera un peu devant moi. C'est là que ça va t'arranger. Tu ne vas plus demander l'argent de Cuba. Tu ne vas plus demander l'argent de celle-là. C'est là ta vie va propulser. C'est là tes choses vont marcher. Tout va marcher. Tu vas prendre beaucoup d'apprentis. Si tu es coiffeuse, tu achètes des outils de travail en pagaille. Des outils seront là en pagaille. Ce n'est pas si quelqu'un vient pour qu'on lui fasse un temps. Tu vas dire allez chez l'autre pour voici. Tes enfants seront beaux dans leur tenue. Toute chose sera en ordre. Tu vas démarrer ta moto. J'irai voir mes enfants et revenir. Vous voyez comment la patronne passe. C'est comme ça on est patronne. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Prenez soin de ce que vous faites. Prenez soin de ce que vous faites. Vous qui n'apprenez pas un travail. Si vous voulez, mais nous avons boutique les mimes. D'autres vont ouvrir une boutique. Mais nous avons et nous avons les mimes. Certains vont commencer par vendre des pagnes. Et nous tissons. C'est que tu vends.
Même si c'est des gâteaux que tu prépares, prenez soin de ça. Vous me comprenez? Ce n'est pas que tu vas commencer par dire parce que je n'ai pas d'argent que je ne le fais pas. Non. Commence à faire. La première des choses, c'est que tu veux faire. Et ça va marcher pour toi. Ou bien ce qui te plaît souvent de faire, mets ça en idée. Et il dit, c'est ça là que je veux faire. Ça reste l'argent pour commencer. Tu commences par te battre. Dieu va t'envoyer quelqu'un. Et la personne viendra t'aider. Dieu t'enverra quelqu'un. Quand on a commencé cette réunion maintenant, nous allons faire tout pour aider toutes les jeunes filles. Alléluia. Amen. Une jeune fille ne sera plus pauvre pour se marier. Bon, dis. Est-ce que tu écoutes l'enseignement? On ne sera plus pauvre avant de se marier. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu écoutes cet enseignement? Balance les mains, je vais voir. Vous voyez que nous avons appris la vie que tu vas mener dans ton travail. Nous avons déjà appris comment tu vas rester dans ton atelier. Vous allez le mettre en pratique. Nous pouvons le faire. Vos patrons viendront témoigner que quand on a commencé l'enseignement, vous avez changé. Maintenant, quand tu as une jeune vie, comment tu vas rester auprès de tes parents? Ce n'est pas seulement l'atelier que tu vas arranger. Mon papa m'avait narré une histoire. Au moment où il est rentré, personne ne va te mettre dans l'apprentissage et dépenser sur toi. Et Daniel, mon papa, s'est marié avant d'aller dans l'apprentissage. Pourquoi? Il a vu que ce qu'il a fait n'est pas bon. Comme il n'avait rien en tant que tel dans la main, il a commencé par souffrir. C'est là il est parti rentrer dans l'apprentissage. Il dit quand il est rentré dedans, ils n'ont pas trouvé qui va signer les contrats. Il sacré. Et il a dit, il a parlé de lui et son grand frère. Que c'est ensemble qu'ils allaient au champ. Et il sème des choses, il plante des choses. Il dit, il va au champ le matin, à l'aube, 4h. Jusqu'à 7h, tu es déjà revenu à la maison, tu te laves, tu es déjà dans l'atelier. Et il m'a dit, c'est là quand les produits, les choses du champ ont donné qu'il a vendu et puis il a pu signer son contrat et puis ouvrir son atelier après. Toi, tu peux faire ça aujourd'hui. On l'a longtemps le moment. Toi, tu ne fais que dormir et ronfler à tout moment. Non, regarde, j'ai déjà payé ton bébé. Ta maman va courir, mais hé, ma fille, tu vas plus aller aujourd'hui au boulot. Et c'est que tu te promets sur tes jeunes hommes jusqu'à l'aube avant d'aller dormir. Toi, tu as quel âge déjà même pour prendre des maris? Tu as quel âge pour prendre des hommes? Mais quelle jeune fille maintenant va dire qu'un homme ne connaît pas par nous? Tu as gâté ta valeur. Tu as détruit ta destinée. Même si quelqu'un te voit, elle ne va plus te considérer. Oh, villa, cette ville, on a déjà pris par là. C'est à toi, on dit ça.
Mais aujourd'hui, Dieu t'a pardonné et t'a lavé. Nos parents ont souffert. Tu es pardonné, moi. Quand il a fini son apprentissage, il a ouvert l'atelier. Et il a commencé par prendre soin de l'atelier. C'est là le travail qu'il faisait. Et il a acheté la moto qui était sortie en ce temps, on appelait Yamaha. Comme il a des apprentis, il découpe des choses, des tissus pour les apprentis la nuit. Et le jour, il distribue à chacun. Et il faut commencer par coudre les affaires. Lui, il prend sa moto pour aller faire cible. Quelqu'un à bord. Juste à son retour, dormez pas kaki. Il y a l'atelier, ils ont trouvé un peu. Quelqu'un pas kaki. Et le jeune s'est donné un peu. Ce sera beaucoup bien. Et il rentre chez toi. C'est ça la maison là qu'il a construit. Et toi, tu vas. Le travail qu'il a appris. Et le travail qu'il fait. Si quelqu'un dit bon, dans son travail, qu'est-ce qu'il a fait? Dis-lui, c'est la maison là. Si il s'était pris. Moi, comme ça, je vais encore faire apprentissage. Moi, mon âge, il me reste prendre une femme ou bien prendre un homme. Il va encore travailler aujourd'hui. Il va acheter sa moto. Il va construire la maison. C'est comment? Ça fait comment? Donc il est tombé. Bon, il va commencer par se livrer à l'alcool ou bien à la cigarette. Bon, Dieu n'a rien écrit sur moi. Il n'y a personne que Dieu n'a rien écrit sur lui. Dieu nous a pris. Ce que tu seras en train de faire. Et c'est pourquoi Dieu t'a prédestiné à ce manifester. Tu as refusé de faire cela. Tu as refusé de faire cela. Tu as refusé de faire cela. Comment ça marchera pour toi? Comment ça marchera pour toi? Commencez par prendre des bonnes idées. Une jeune fille, ses parents n'ont plus rien. À faire. Nous vit les badonois. Une jeune fille dans la cour. Et donc, tu es pas sans dormir, fier fille, cadrea. Le soir, quand tu quittes en même temps le travail, à 19h. À 19h. Et toi, Romain, c'est des cas. Tu arrives en même temps à la maison. Là-bas, Romain, nous, oh, tu regardes rapidement les travaux de la maison. Tu prépares. Et d'où moi? Tu as mangé. Non, Pédoralia. S'il y a la prière, avant de je cours à la prière. Non, s'il n'y a pas la prière, je couche. Jusqu'à 4h, 5h du matin, tu te lèves. Tu parlais la chambre. Tu parlais la cour. Tu laves les choses. S'il y a des choses à chauffer, tu chauffes ça rapidement. Jusqu'à tu vas finir de tout faire, tu te laves. Et tu arrives au travail avant 8h. Et tu fais également les travaux. Si tu ne vas pas, tu fais tout cela le matin. Si c'est au champ, tu vas aller. Tu vas au champ. Tout ce que tu fais. Celui qui toi juste le jour se lève, le soleil se lève sur lui. Si tu veux être riche, n'accepte jamais que le jour se lève avant que tu ne sors. Et tu dois te lever avant qu'il ne fasse. Le jour ne te verra pas, mais c'est toi qui le verras. C'est toi qui le verras. Que ça marche pour vous. Que ça marche pour vous à partir de aujourd'hui. Que ça marche pour vous à partir de aujourd'hui. Que ça marche pour vous à partir de aujourd'hui. Nous voulons rentrer dans une autre chose. Oh ben, je veux pas prier pour vous. Ce qui vous met dans des vies de désordre à partir d'aujourd'hui, Dieu va vous délivrer. Mais tu vois, Seigneur, l'homme de le cadre. Ceux qui ont bien écouté l'enseignement, levez vos mains. Mais tu vois, Seigneur, l'homme de le cadre. Ceux qui ont bien écouté l'enseignement, levez vos mains. Mais vous voilà. Baissez vos mains.